En 2011, 171 élèves ont vécu une expérience unique qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. Ils ont voyagé d'un bout à l'autre du pays. Leur destination? Penticton, Atollville, Québec, Owen Sound, La Salle, Tête à la Baleine, Grand'Anse et Saint-Ferdinand. Au cours de cette aventure, ils ont découvert d'autres façons d'apprendre, de s'exprimer et de vivre en français, tout en se faisant de nouveaux amis, peut-être pour la vie. Mais qu'en pensent les principaux intéressés? Ben, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, on va voir d'autres coins de pays qu'on, tu sais, si on n'irait jamais, mettons, en voyage là-bas. Tu sais, comme à Atollville, moi, je savais pas que ça existait, puis je pense pas que je serais allée en voyage là-bas. Fait que c'est vraiment on a vraiment de la chance d'aller dans un endroit qu'on connaissait pas. Puis aussi, c'est le fun de connaître des nouvelles personnes, des nouvelles origines, puis des choses différentes, qu'on fait différemment ici que de... Moi, je trouve ça vraiment le fun. Ça t'apprend une nouvelle culture, là. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Ben, ça te permet de connaître des gens, puis j'ai hâte aussi d'aller là-bas pour connaître tout le monde. Ben, moi, j'ai vraiment aimé ça venir à Québec. On a fait plein d'activités, puis c'est vraiment le fun. Ben, moi, je pourrais dire que c'est très amusant. T'apprends des nouvelles choses, des nouveaux mots, puis des nouvelles expériences de vie. T'as aussi des nouveaux, des nouvelles choses à apprendre. Tu peux aussi savoir plus de où ce que tu es. D'autres choses à travers du Québec ou de n'importe quelle province que tu peux aller. Tu apprends plein de choses. Une expérience formidable.